À quelques centaines de mètres du lieu de découverte du corps de la joggeuse, une luxueuse villa, investie hier par la police judiciaire pendant 5 heures. Selon Le Parisien, à l'issue de la perquisition, les forces de l'ordre auraient emmené avec eux un homme âgé d'une trentaine d'années, peut-être le fils des propriétaires de la maison. Objectif des enquêteurs, vérifier l'emploi du temps du jeune homme, car il ne disposerait pas d'alibi pour l'après-midi de jeudi dernier, jour du meurtre. Il serait également incapable de fournir la moindre précision sur ce qu'il a fait lors de la soirée. L'homme interpellé niera en bloc toutes les accusations. Il pourrait correspondre au portrait robot établi ce week-end, un portrait robot réalisé grâce aux témoignages de riverains. À l'intérieur de la villa, les policiers ont pu saisir plusieurs objets, des objets qui pourraient les aiguiller dans leur enquête.